Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui j'ouvre ce nouveau vlog. Je peux pas dire cette nouvelle semaine parce qu'on est déjà le samedi 27 janvier. Je vérifie, oui c'est bien ça. Et cette semaine, donc semaine de vlog, qui a donc commencé jeudi, n'a pour l'instant pas été très prolifique. Voilà, levons le suspense tout de suite. Donc, sinon... Donc comme je vous disais, moi c'est Lucie, je suis une tricoteuse girondine, plus précisément j'habite dans le Médoc. Le Médoc c'est ce territoire très enclavé entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique. Et donc je tricote et je viens vous voir assez régulièrement pour vous partager mes avancées de tricot. Et je l'espère du coup vous emmener un petit peu avec moi dans mon univers au fil des mailles. Voilà. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur cette chaîne YouTube, mais vu que vous êtes en train de regarder cette vidéo, je pense que vous êtes déjà au courant. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette et sur Twitch où j'anime un tricoté hebdomadaire qui s'appelle Allo Tricot et le nom de la chaîne c'est Lucie Belette. Voilà, donc tricoté hebdomadaire le lundi, sauf... Ça fait beaucoup rire Monsieur Belette. Oui, il est 20h30. Il est 20h30, j'ouvre le vlog samedi 20h30. On sait déjà que ça va être un vlog incroyablement riche en tricot. Monsieur Belette est en train de jouer avec ses potes. Voilà, donc vous l'entendez rire. Bah ouais, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Donc, tricoté qui du coup n'aura pas lieu lundi, puisque c'est l'anniversaire de Monsieur Belette. Et donc, on passe la soirée ensemble. Je vous abandonne pour cette soirée. Toutes mes confuses, mais la vraie vie est toujours prioritaire par rapport à la vie numérique. Voilà, vous retrouverez en description de cette vidéo, normalement, j'espère, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas au moins à un moment, on va dire ça comme ça, toutes les informations concernant les patrons et les laines que je suis en train de tricoter. Donc vous avez les patrons sur Ravelry, c'est la page des patrons, hein, pas mes pages Ravelry, parce que je ne remplis pas Ravelry. J'y pense même pas. Objectivement, je n'y pense même pas. Et si c'est des laines de teinturier, vous avez le lien vers les sites internet des teinturiers. Voilà. C'est déjà une chouette introduction. Alors, je vous avais laissé la semaine dernière, je vous ai laissé mercredi... Pour vous dire, jeudi, j'avais une réunion, je suis rentrée, je crois qu'il était quasiment 20h. Et j'avais encore un paquet de... Enfin, plusieurs paquets, techniquement, de copies à corriger. Donc je n'ai pas touché une maille de toute la journée de jeudi. Vendredi, c'est ma très très grosse journée. Je suis rentrée à la maison, il était 18h. Ça, c'est l'heure normale pour rentrer, entre, ouais, 18h à peu près. Et le soir, on était invité à un événement organisé par le travail de Monsieur Belette. Donc, j'ai pas pu toucher une maille. J'ai repris le tricot ce matin avec une gueule de bois fantastique qui n'a pas été. Bref, c'est pas très plaisant, quoi. C'est pas très plaisant. J'étais plutôt dans le regret ce matin. J'étais plutôt dans le regret. Et avant d'attaquer les tricots, je suis désolée, j'ai très très mal ce soir, je commence à être vraiment crevée. Et j'ai mangé des agrumes et je suis en train de me frotter les yeux, ça va piquer, bravo. Bravo. Donc la semaine dernière, j'ai eu une journée où clairement, c'était pas ma journée. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et je vous avais dit que j'avais passé commande donc chez Derrière Home Natura. Donc commande, ce jour-là j'ai passé, juste après ma commande chez Derrière Home Natura, j'ai passé une autre commande qui est arrivée vendredi sans problème. Ma commande de chez Derrière Home Natura, le statut sur le site de Derrière Home Natura, est confié à la poste. Et le statut sur la poste c'est « Nous n'avons pas votre colis ». Donc manifestement, enfin pour l'instant, je ne me suis pas fait pirater ma carte. Maintenant, est-ce que je vais recevoir mon colis? Je dois dire que nous sommes encore en plein suspense. Voilà. On verra. Alors, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Parce que après vous avoir bassiné 5 minutes avec ma vie, attaquons le tricot. Donc, j'ai toujours le Sarcactus, qui est un modèle de je ne sais plus qui,
que je tricote pour Monsieur Bolette. Donc j'ai les deux manches qui sont terminées. J'ai toujours pour enlever les épingles. Et donc là je suis sur le corps, sachant que il ne fait pas la même taille en haut qu'en bas. Donc je vais réaliser toute une série de diminutions dans le corps pour que ça soit pas. Que ça soit portable en fait pour lui. Parce que c'est un peu le problème. Qu'il a, c'est que il a les hanches très fines et le buste beaucoup plus large, donc il faut diminuer, sinon ça finit en wesh drapeau et ça ne lui convient pas. Voilà, donc l'objectif, j'irai cette semaine, j'avais prévu de le terminer, hein. J'avais vraiment prévu qu'il soit terminé ce week-end, clairement ce ne sera pas le cas. L'objectif, ça va être d'essayer d'arriver au moins au jacquard du bas du corps. Voilà, ce serait déjà pas mal et si possible terminer le week-end prochain. Même Monsieur Bolette y croit pas. Il y croit pas. Donc j'aimerais vraiment le terminer le week-end prochain parce que j'ai envie de passer à des projets pour moi. J'ai plein de choses que je veux faire et je ne peux pas. Enfin, je supporte pas d'avoir trop de projets sur mes aiguilles parce que je ne supporte pas d'avoir trop d'encours et que ça n'avance pas. C'est très personnel, hein. Moi je suis quelqu'un qui a toujours besoin de terminer les choses. En fait, le fait de terminer quelque chose, ça me procure énormément de plaisir. Et donc j'ai besoin de terminer. Je sais que chaque personne est unique en fait. Il y en a qui ont des dizaines et des dizaines en cours et ça leur convient très bien. Et ben, kiffer. Moi je peux pas. Moi je ne peux pas. Il faut que je termine les choses, sinon c'est pas possible. Donc voilà. Voilà, voilà. J'espère qu'il avancera bien ce week-end. Puisque Monsieur Bolette n'y croit vraiment pas, hein. Il n'est pas avec nous là. Puisque donc demain matin je vais. C'est bon, il n'écoute pas. Demain matin je vais à la plage. On va faire une balade collective avec des super copines de Nubio. Mais je vais pas dire leur prénom parce que sinon voilà, c'est une surprise. En plus il a pas trop le moral en ce moment, donc ça lui fera beaucoup de bien. Oui, parce que Nunu a des petites baisses de morale de temps en temps. Voilà. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ça lui arrive régulièrement d'avoir ces petites baisses de morale. Et donc, on essaye de remonter la pente. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ensuite, il me reste quand même des copies à corriger. Je sais qu'il y a genre deux vlogs où j'avais dit « Je ne veux plus travailler le week-end ». Je vais faire mon possible pour ne pas travailler le week-end. Et là, ça aurait été possible si on n'avait pas eu l'invitation du boulot de Monsieur Bolette. Voilà. Ça aurait été possible, j'aurais peut-être terminé vendredi à 23h59, mais ça aurait été terminé. Bon, dans les faits, on a passé une bonne soirée, donc zéro regret. Mais c'est vrai que c'est... En fait, ouais, bosser comme ça le week-end, c'est usant. C'est usant, parce que on n'a pas de jour où on déconnecte réellement et... Je ne demande pas d'avoir 3 semaines de déconnexion, mais au moins d'avoir régulièrement 1 ou 2 jours de déconnexion, ce serait bien. Donc pour ceux qui débarquent, je suis professeure de physique-chimie dans 2 collèges. Voilà. Donc c'est pour ça que je cours partout, quoi. Le sarcactus de Monsieur Bolette, qui, je l'espère, sera au moins avancé. On en est là. Ah oui, je ne vous ai pas montré du coup. Quand je vous ai laissé la semaine dernière... J'en étais ici, et donc j'ai fait à peu près 5 cm je pense. Là. Voilà, donc on avance petit à petit. Ah, j'espère que ça va avancer vite. Voilà. Deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est les chaussettes indiennes de Yarnflex, et qui ont un petit peu avancé, ou pas. Je sais plus si j'avais bougé le marqueur ou pas. Donc voilà, ce sont des chaussettes avec une construction hélicoïdale et un petit détail de dentelle sur les côtes. C'est mes chaussettes de lecture. En fait, quand je lis au lit le soir, je tricote. Je n'ai plus réellement besoin aujourd'hui de chaussettes. Puisque j'ai un roulement de chaussettes qui est tout à fait confortable. Et donc là, c'est plus... anticiper des remplacements. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais les porter tout de suite ou si je m'en fais une boîte de bas. Peut-être que je vais m'en faire une boîte de bas. Donc pour l'instant, je n'ai absolument aucune urgence sur ces chaussettes. C'est pour ça qu'elles avancent quand elles avancent. Et si elles n'avancent pas, eh ben, je pense qu'on devrait tous survivre. Enfin, je l'espère.
Parce que par contre, si votre survie dépend du fait que j'avance mes chaussettes, dites-le moi. Parce que là, je veux mettre un peu de pression, je vous assure. Enfin, le dernier projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est l'étole Monarch. Alors évidemment, je bouge mon bol où il y a les laines. La laine se met sous le bol, histoire que ça fonctionne pas. Parce que si ça fonctionnait du premier coup, on serait content. Et on s'apercevrait même pas que ça fonctionne. Alors que quand ça bug comme ça, et ben après quand ça fonctionne, on est content. Voilà, c'était une explication pourrie. Je vous l'accorde. Aucun problème avec ça. C'était un peu foireux. Mais j'ai avancé mon étoile monarque, donc ça va, je suis contente. Donc je l'ai reprise ce matin, je vous ai laissé un dernier vlog, j'en étais ici très exactement. Et voilà, j'ai avancé. Alors c'est une petite avancée, c'est pas énorme, puisque aujourd'hui on avait pas mal de choses à faire. On devait récupérer des trucs à Ikea, machin, tout ça, faire des grosses courses, enfin voilà. Le truc qu'on avait un peu trop repoussé et donc ça nous a pris quand même un petit moment. Ça fait que demain j'ai aussi un meuble à monter. En fait on a une cuisine qui est pas du tout fonctionnelle, vraiment pas. C'est à dire que vous dites j'ai un espace qui est pas mal, je pourrais en faire quelque chose de bien, à la place je vais mettre tous les trucs indispensables pile au milieu. Comme ça, au lieu d'avoir un grand plan de travail, ben, ils ont plein de tout petits plans de travail. Ça fonctionne pas, hein. Ça fonctionne pas du tout. Donc en fait, ça ne marche pas. L'évier est giga grand, il est en plein milieu de la cuisine. Ça n'a aucun sens, vraiment ça n'a aucun sens. Donc, en plus, comme on a des verrières de chaque côté, on a zéro espace de stockage. La meilleure idée du monde. Donc là on a acheté un meuble, on va voir si ça nous permet de ranger en faire les affaires, parce que du coup on a une espèce de débarras, espace de stockage, sauf qu'il y a de l'autre côté de l'appart. Donc en fait dès qu'on veut chercher un appareil électroménager, une boîte de conserve, une brique de je sais pas de purée de tomate, et bien zlap, tout l'appart. Voilà. Très pratique. Très 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 pratique. Donc là on essaye d'optimiser. Voilà. Mon cerveau et le majesté a déjà pris possession du carton. Elle s'est assise dessus, le carton juste là, dans le doute. Dans le doute. Si jamais on voulait jeter son carton, c'est non. Donc voilà, dernière petite chose que j'ai à vous montrer. On disait la semaine dernière que j'ai des élèves qui peuvent être parfois fort pénibles. Et j'en ai d'autres qui sont absolument adorables. J'ai eu en fin de semaine petite molly. Elle est pas cassée. Donc une petite molécule d'eau que mes élèves m'ont fait en impression 3D. Alors je ne sais pas s'ils l'ont fait en cours de techno ou si l'élève a une imprimante 3D. J'ai pas eu le temps de le demander parce qu'il y avait réunion juste après. J'ai pas eu le temps de lui demander, mais il m'a fait une petite molécule d'eau en impression 3D, donc j'ai trouvé ça très mignon. Je vais essayer de la mettre quelque part dans mon décor. D'ailleurs, un décor que je pense je vais pas tarder à changer, parce que j'en ai marre d'être par terre. Le truc, c'est quand je suis assise par terre, j'ai tendance à m'avachir, alors que je suis plutôt normalement quelqu'un qui se tient très droit. Et le fait d'être assise en tailleur par terre, ça me convient pas. Donc il faut que je modifie ça. Ça va certainement être amené à bouger, ce qui fait toujours autant rire Monsieur Belette apparemment. Voilà, une petite molécule d'eau que j'essaierai d'incorporer quelque part dans mon décor, parce que c'est vraiment trop choupi. Voilà, voilà, voilà. Hop, pour l'instant je la mets là. Allez, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je pense que je reviendrai demain soir. Et certainement... Et bien mardi, parce que c'est mon mardi plutôt light. C'est mon mardi plutôt light, donc je devrais avoir le temps de tricoter. Et mercredi pour la clôture aussi.
On se retrouve, nous sommes le lundi 29 janvier et donc je vous retrouve avec Mopiki, Nubio et Yasser Royal Majesté qui est en train de passer aussi. Donc je vous retrouve, j'ai dit que je venais vous voir dimanche et je ne suis pas venue vous voir dimanche puisqu'en fait j'ai bossé encore quasiment toute la journée. Voilà, pose dos du toutou, évidemment. Ça va, la majesté qui arrive. Et oui, il y a un colis ici. Alors, on va attendre que le chien ait terminé. C'est bon ? Et maintenant, il va manger ses croquettes. Bon, bah alors, je suis désolée pour l'ambiance sonore de chenille. Voilà. Alors, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Parce que, donc je vous ai dit, j'ai terminé tard hier de travailler. Mais j'ai quand même eu le temps de tricoter un petit peu le matin et un peu le soir. Donc, j'ai quand même des choses à vous montrer. Oui, bien. Quand même des choses à vous montrer. Bref, je viens de rentrer là. Je viens de rentrer, il est 18h30, je viens de rentrer. Donc forcément je suis assaillie par les poilus qui veulent me raconter leur journée avec grand entrain. Voilà. Donc j'ai quand même avancé. J'ai quand même avancé sur mes trois projets. Le premier sur lequel j'ai avancé, ce sont les chaussettes indines où j'ai terminé la tige et je vais donc attaquer le talon. Donc pour l'instant elles vont rester en hibernation jusqu'à ce que j'eusse le temps de faire le talon, sachant que ce n'est absolument pas urgent vu que des chaussettes j'en ai carrément assez pour faire une rotation tout à fait confortable, donc elles vont attendre qu'il n'y ait plus de projet urgent sur mes aiguilles pour avancer. Voilà, donc, il va me falloir un autre projet de lecture, même si bon, je pense que je m'en occuperai mercredi en fait, je pense que j'aurai le temps de faire le talon mercredi ou mardi, je ne sais pas. Ensuite, le sarcactus de Monsieur Belette, que je vous le présente dans le bon sens, vous avez le devant face à vous. Il a poussé, j'ai fait, et donc j'ai trois séries de diminutions à faire sur le corps, j'ai fait la deuxième, la troisième sera à peu près là, et donc quand je vous avais laissé, j'en étais ici, et donc j'ai, voilà, donc ça a bien avancé quand même, ça a bien avancé, je devais donc l'offrir aujourd'hui. Je peux lui offrir, mais il ne peut pas le porter pour l'instant. Pour deux raisons. La première étant que, eh bien, il fait plus de 15 degrés, vous voyez, je suis en t-shirt. Et la deuxième étant qu'il n'est pas terminé. Donc, on en rigolait hier, on disait que, en fait, ce pull sera terminé, mais qu'il ne pourra pas le porter avant l'année prochaine, puisque si on continue à avoir des températures minimales à plus de 10 degrés, c'est peut-être légèrement surdimensionné comme pull. Voilà, mais bon, c'est des choses qui... C'est comme ça, donc je pense qu'il va falloir qu'on déménage. Alors, j'hésite encore entre le Groenland ou l'Islande. Le problème c'est qu'il faudrait que je me mette au danois et non quoi. Des fois je galère déjà avec le français, alors bon. Voilà. Donc le sarcactus qui avance. Enfin, dernier projet sur mes aiguilles, c'est le châle, l'étole pardon, monarque, qui a elle aussi un petit peu avancé, mais attention, on est sur quand même du un petit peu. Hein. Donc je vous l'avais présenté, j'en étais là et j'ai fait tout ça. Voilà. Là, je sais pas si vous allez voir. Ah, c'est bloqué. Et je dois dire que tricoter des pelotes de mohair, je trouve que c'est pas top quand même. Parce que on les prend par l'extérieur et en termes de confort, c'est vraiment pas ça. Donc je me tâte à bobiner ma deuxième pelote de mohair pour en faire un cake et pour la prendre par l'intérieur. Je me tâte à faire ça. Parce que je veux dire que la pelote un peu plate qui se dévide mal, enfin qui saute partout... C'est pas le truc le plus agréable du monde. Voilà, donc j'en étais ici et j'ai fait ça. Alors un moment je me suis foirée dans une répétition de motifs, mais voilà, peut-être vous le verrez avec votre grand écran, sinon vous le voyez pas, et comme la brigade du tricot n'intervient pas dans le Médoc, ça devrait aller. Voilà, alors vous voyez le colis derrière moi, c'est ma commande de chez Dererum Natura qui est enfin arrivée. Donc ça c'est l'arrière du colis.
Pour vous donner une petite idée, donc il était déjà à moitié ouvert, hein. Heureusement, c'est des grosses pelotes, c'est pas fragile, tout va bien, mais je vous laisse apprécier, hein, l'état du colis qui, encore une fois, a fait la guerre. Voilà, vous voyez, le côté enfoncé. Et alors, ce qui est génial, c'est que là, le suivi n'a jamais été activé sur la poste, donc la poste me met toujours qu'ils n'ont pas le colis. Tout va bien, la caisse du service public, tout ça. Voilà, donc j'avouerai que quand j'ai vu l'état du colis, je me suis dit, mais heureusement que c'est de la laine, quoi. Mais imaginez, ça aurait été du verre. Voilà, état du truc. Donc, j'ai commandé des trucs qui font du bruit. Donc, j'ai commandé 6 pelotes de Gilliatt dans le coloris doré pour réaliser le gilet Fanny. Alors, dans ma taille, il en faut que 5, vu que je vais faire un, je crois, 110-112 de tour de poitrine, ce qui me fera 5-7 cm de, d'aisance positive. J'aime pas être avec trop d'aisance. Et normalement, il me faut 5 pelotes. Mais comme je suis du genre à toujours rallonger les corps, je me suis dit, on va rajouter une petite pelote, histoire d'être sûre et de pas avoir à acheter une pelote après pour 3 fois rien. Oui, j'ai quelqu'un qui m'appelle, c'est marqué fraude potentielle sur mon téléphone, c'est fantastique. Voilà, donc j'ai souhaité prendre une pelote de plus parce que je me suis dit que je préférais au pire avoir une pelote en rab de Gilliatt qui sera utilisée dans un projet, aucun problème, parce que j'ai déjà plusieurs idées de projets en Gilliatt que j'aimerais réaliser avec justement des pelotes un peu solitaires, genre des couvertures de reste, des trucs comme ça, ça passera très bien dedans. Et plutôt que de devoir racheter une pelote qui serait potentiellement pas du même bain en me tapant des frais de port exorbitants, donc je me suis dit qu'il valait mieux. Il valait mieux, voilà. Et donc, comme toujours, avec, on a une petite carte échantillon, et avec, ils m'ont joint un échantillon de Bérénice, le coloris crépuscule. Je pense que c'est un mohair et soie. Voilà, je crois que je vois le fil de soie, donc ça va. Si quelqu'un la veut, j'envoie avec plaisir, il n'y a pas de problème. voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je suis quand même contente qu'il y ait des avancées, et j'ai pour objectif de faire un week-end sans travail le week-end prochain. Donc j'ai corrigé énormément de copies hier. Ce midi, j'ai passé ma pause repas à corriger des copies. En fait, j'ai mangé en changeant d'établissement dans la bagnole, c'était fantastique. Et donc j'ai comme objectif, et on croise les doigts, le week-end zéro boulot, d'avoir 2 vrais jours de break à pouvoir genre avoir une vie, quoi, et tricoter. Ce qui serait pas mal, ce qui serait vraiment pas mal, ça changerait de ces dernières semaines, parce que j'avais dit que je voulais plus travailler le week-end, et malheureusement, j'ai quand même dû travailler le week-end, voilà. Donc, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous retrouve certainement demain, et mercredi pour la clôture de ce vidéo. On se retrouve, on est le mardi 30 janvier et je viens vous revoir comme eu passage de moto. Donc, on est le mardi 30 janvier et je viens vous retrouver avec la patate, vu que c'était le jour de... enfin le mardi où je n'ai pas cours l'après-midi. Et donc j'ai une demi-journée toutes les 2 semaines de tranquillité. Alors j'ai prévu de faire des choses, genre corriger des copies, préparer mes cours, etc. Et après manger, Nubio m'a appelé pour faire un petit câlin et je me suis réveillée 2h30 plus tard. Je pense que j'avais vraiment besoin de dormir. Voilà, donc bah tant pis, hein. Je pense que j'avais besoin de dormir, que ce temps-là finalement a été mieux investi dans mon sommeil que dans mon travail, donc... Je me suis dit, eh ben tant pis, ça va être une demi-journée off à faire des trucs pour soi. Enfin pour soi, surtout pour Monsieur Bolette. Donc, j'ai bien avancé sur le sarcactus de Monsieur Bolette. Il l'a essayé,
Il l'a essayé. Alors, on a eu un petit peu peur parce que quand il a passé les manches avec le jacquard, les manches se sont détendues sur son bras et en fait ça allait hein, du moment où il avait bien mis le fil. J'ai toujours pas enlevé les marqueurs en poule. Voilà, et donc j'ai terminé le corps, là je vais attaquer le jacquard du corps. Donc objectif ce soir, papy signe parce que Belette a fait un excès de lactose. Voilà, hein, Madame Belette étant intolérante au lactose de son état et ne pouvant s'empêcher de temps en temps de se faire des petits plaisirs, a manifestement trop. Voilà. Donc ma piscine. Là, on ne s'éloigne pas trop des toilettes. Ce qui fait que j'ai mon tricot chiotte. Voilà. J'avais ma couverture aux toilettes parce qu'en fait, quand ça m'a pris... je sais que ça me durait une heure et demie. Hein. Quand ça m'a pris, là je commence le jacquard. Le monarque nécessite un patron. Et ma paire de chaussettes, j'en arrive au talon. Donc il fallait que je sorte mes aiguilles double pointe. Donc en fait, le seul truc que je pouvais tricoter sans me poser de questions, c'était ma couverture. Donc ma couverture, en plus d'être une couverture Twitch et une couverture de bagarre, c'est devenu un tricot chiotte. Voilà. Vous êtes ravis de savoir l'état de mon système digestif. Les intolérants au lactose, big up à vous. On se reconnaît. On sait très bien que on ne peut pas s'empêcher de manger du fromage de temps en temps. On le paye après. On le paye. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Non, là, j'ai un peu abusé. Puis la fatigue, mauvaise période du mois. D'habitude, ça passe et là, c'est pas passé. Voilà. Alors, le sarcacus de Monsieur Belette. Donc, j'attaque. Ce soir, le jacquard. Je pense pouvoir terminer le jacquard ce soir. J'ai pas encore attaqué le montage. Voilà. J'ai pas encore attaqué le montage. Demain, je suis de jury. Je suis de jury d'Oral Blanc. Pour mon plus grand bonheur. Quoique. Bon. Faut bien qu'ils s'entraînent. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, demain, j'aurai pas des masses de temps. Donc, faut que je termine le montage demain, début d'après-midi. Donc, l'objectif, là, ce soir, faire le jacquard. Demain, faire les côtes. Et Monsieur Belette aura un sarcactus avec seulement 2 jours de retard. Qu'il l'a essayé, il va certainement plier le col, hein, parce que le col remonte trop. Ce qui est d'ailleurs assez fou, parce que quand vous regardez dans les photos, comme celle que je vous avais mis là, il n'y a pas du tout un col cheminé. Hein. Pas du tout. Bon. Voilà, donc, je suis contente. Quand je vous avais laissé, donc j'en étais ici, et là, clac clac, On déroule et je suis ravie de voir que ça avance. J'ai hâte et objectif après les écheveaux qui sont là, ces 4 là. Je les ai achetés l'année dernière. Attends, je vous les montre. Hop. Je les ai achetés l'année dernière parce que quand je suis tombée dessus, je me suis dit que c'était exactement ce que je voulais tricoter pour me faire un pull Elanide. J'ai un peu de mal à retrouver le sens. Parce que c'est pas plutôt comme ça. Non, c'est comme ça. Hein. Et double plus foncé. Et j'avais très très envie d'un pull façon un peu hivernale en fait. Et c'est... J'ai vu ça cet été sur le site de Laine et Chaudron et je me suis dit, ben, je les prends. Parce que si ça se trouve, elle en aura plus en hiver quand je voudrais le faire. Et donc, ça fait depuis genre juin que j'attends de pouvoir les tricoter. J'attends. Et je vais enfin pouvoir demain, il va y avoir de la mise en cake de folie. Voilà. Ah, je suis trop contente. Ça me tarde tellement. Ah, j'ai même... Non, je vais pas les poser sur la table parce que sa Royale Majesté, c'est son espace de stretching. Du coup, comme tous les chats, sa plus grande crainte, c'est que la gravité cesse un jour de fonctionner. Et donc,
afin de se rassurer, elle jette des objets par terre. C'est juste pour vérifier, genre, schlaf, c'est bon, ça fonctionne. Elle adore faire ça avec mes bouchons d'aiguille, hein, grosse passion, gaufrette, passion bouchon d'aiguille. Mais du coup, je me dis que si je laisse des écheveaux sur sa table de yoga, peut-être elle va tester la gravité avec. Peut-être Nubio, du coup, va mettre son nez dedans et va se dire « c'est vachement doux, tiens, je vais les amener dans mon panier, puis je vais me blottir contre. » Et ça paraît globalement être un mauvais deal. Donc j'allais les remettre dans l'arbre, enfin dans le placard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que le vlog sera pas très long, à moins que demain je me mette à discuter pendant 45 minutes, ce qui est tout à fait envisageable, je me connais, je suis extrêmement bavarde. Et est-ce que j'ai d'autres choses à vous raconter? Non, j'ai rien d'autre à vous raconter. Donc je vous laisse là et je vous dis à demain pour la clôture de ce vlog. On se retrouve pour la clôture de ce vlog. On est donc le mercredi 31 janvier. Passage de moto, décidément. C'est la quatrième fois que j'enregistre cette clôture de vlog. La première fois, j'avais mal réglé le trépied, j'étais très mal cadrée. La deuxième fois, Sa Royale Majesté m'a mordu en plein milieu du tournage parce qu'elle est juste à côté. Et donc j'ai essayé de la faire en sorte qu'elle apparaisse dans le cadre avec moi. Et elle a décidé que non, l'image ne sublimait pas assez sa beauté, donc je me suis fait mordre. Et donc la troisième fois, j'ai été interrompue par une délégation de tracteurs qui est passée sous mes fenêtres et qui... Alors soit les tracteurs ne sont pas très bruyants, ce sont les gens qui klaxonnent qui sont bruyants. Voilà, donc bon, ça a pris un petit peu de temps d'enregistrer cette conclusion de vidéo, mais ça y est, on y est, peut-être qu'on ne sera plus interrompu. Ce serait pas mal. Alors, je reviens pour la clôture de ce vlog. Effectivement, bon, cette semaine n'a pas été extrêmement riche en tricot, mais c'est comme ça, c'est aussi la vraie vie. Il y a des semaines avec, il y a des semaines sans, et bah, disons que cette semaine, c'était plutôt une semaine sans. Alors, je ne vais pas vous remontrer mon étoile monarque, puisque je ne l'ai pas avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Je n'ai pas avancé mes chaussettes, et je vous montrerai ma couverture demain dans l'ouverture de ce vlog. Je vous le montrerai le premier chaque mois, histoire de vous montrer que oui, elle avance quand même un peu. Par contre, le sarcactus de Monsieur Belette, il a avancé et j'espère que je suis du bon côté de la caméra. Normalement oui, l'image va s'afficher ici et pas sur ma tête. Si c'est le cas, je modifierai le côté, mais normalement c'est bon. Donc, le sarcactus de Mister Belette. Je n'ai pas autant avancé que ce que je voulais. Mais vous en doutiez, je crois. Je crois qu'il y a... Oui, le 30-30 de jacquard, je sais pas, à peu près 40 minutes. Bah non, ça se passe pas comme ça, en vrai. Mais il a quand même avancé. Donc, je vous avais laissé... Vous avez... Je sais pas que mes mailles tombent. Vous avez laissé... je n'avais pas encore entamé le jacquard. J'allais l'entamer. Donc j'ai fait quand même 22-23 rangs de jacquard depuis hier soir. Il me reste moins d'une dizaine de rangs de jacquard, puis les côtes. Le jacquard, ça va être encore un peu long à faire vu que ça nécessite de l'attention. Les côtes, pas du tout. Je pense que je vais faire le même nombre de côtes, c'est-à-dire 10 rangs de côtes. Donc les 10 rangs de côtes, ça va aller vite. J'espère. Niveau fil, j'ai entamé ma dernière pelote de verre. Donc je pense qu'il y aura 10 rangs de côtes et ça sera bien. Et il me reste une pelote de beige, de blé, je crois qu'il s'appelle blé le coloris. Non, il s'appelle 0206. Mais je crois que sur le site de Calidou, il s'appelle blé. Et là, je suis en train de penser à la série avec Stéphane Blé qui devient président et ça me fait beaucoup rire. Allez la regarder, je sais plus comment elle s'appelle cette série, mais elle est sur Netflix. Et la conclusion de la saison 1 était absolument fantastique. J'ai adoré les... Je crois que c'est la dernière parole de la présentatrice qui dit qu'on préférera toujours élire un homme incompétent plutôt qu'une femme compétente. Mais voilà, c'est fantastique. Cette série est incroyable. Si vous l'avez pas vue, allez la voir, elle est vraiment chouette.
Et je me suis complètement égarée. Comme quoi, je disais, peut-être je peux tenir 40 minutes. Ouais, je tiens 40 minutes sans problème. Maintenant, est-ce que ça va être intéressant? C'est un autre débat. Donc, il me reste, j'ai fait un peu plus d'une vingtaine de ronds de jacquard. Il m'en reste une dizaine. Si vous voulez comparer, c'est le même jacquard que sur les manches. Donc là, j'ai terminé. J'en suis à peu près... Est-ce que vous allez voir? En fait, j'en suis ici, quasiment. Et donc, il me reste vraiment pas grand-chose. Il me reste une dizaine de rangs. Suite à cette dizaine de rangs, une dizaine de rangs de côtes et un rabat à l'aiguille qui va être extrêmement long. Ah, un peu l'objectif de la gravité. Qui va être extrêmement long, mais c'est cool. J'aimerais objectivement vous dire que j'entame un nouveau vlog demain en vous disant ça y est, c'est terminé, nouveau projet pour février. Bon, dans les faits, dans la réalité des faits, je pense que c'est possible parce que demain je vais bosser. Demain je vais bosser parce que pour l'instant je suis un peu sur un siège éjectable, donc je vais bosser. Et en fait ça dépend, si j'ai genre 3 élèves, on va regarder, c'est pas sorcier, donc j'aurai le temps de tricoter. Si j'ai genre 3 classes, ça, bah non, je vais peut-être l'emmener au collège demain, pour le terminer. Ou alors je pourrais bosser, préparer mes cours et pas bosser ce week-end. Sentiment mitigé. Je pense que je vais l'emmener au cas où. Voilà, au cas où. Ce sera mieux. Ce sera mieux. Donc, moi, je vais vous laisser là. Je vais quand même déplacer mon marqueur. Parce que je m'étais dit, hier soir, je termine le jacquard. Et aujourd'hui, je termine les côtes. Et c'est bon, c'est fait. Bon, le c'est bon, c'est fait, bah, pas tant que ça. Donc, je suis quand même obligée de déplacer mon petit marqueur. Voilà, j'espère que c'est la dernière fois que je le déplace. Vraiment, j'espère. J'espère. Il est très agréable à tricoter, hein. Là n'est pas la question, il est vraiment très agréable à tricoter, c'est juste que c'est un cadeau pour une échéance déjà passée, avec le fait qu'il fait 20 degrés maintenant, voilà, je suis pas sûre qu'il le porte cette année, et que j'ai tellement envie de faire un truc pour moi, parce que mine de rien, entre les cadeaux de Noël, le cadeau anniversaire pour mon père, et les pulls que j'ai repris, et ben, ça fait un moment que je me suis pas fait de truc pour moi, et ça me tarde, voilà. Donc moi je vais vous laisser là, j'ai toujours pas fait la description de la vidéo de la semaine dernière, je vais essayer de faire la description de la vidéo de cette semaine, ce serait bien, ce serait bien. Et je vous laisse là, putain il est déjà 19h30, je vais pas encore cuisiner, tout va bien, tout va bien, on va survivre, on va s'en sortir, ouais on va s'en sortir, tout va bien. Allez moi je vous laisse là et je vous embrasse, gros bisous à la team jusqu'au bout, je vous rappelle que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de Nano et je vous dis à la semaine prochaine.